Bon, ben, je termine mon café, puis je te dépose. On va être en retard à la messe, et tu sais que je n'aime pas ça. Mais arrête, maman. T'adores être en retard à la messe. T'adores arriver la dernière et traverser toute l'église pour que tout le monde voit bien que tu es là, et surtout dans ta nouvelle tenue. Tu dis n'importe quoi. Bon, ben, on y va. Et comme ça, pour une fois, on sera en avance. J'ai oublié mon chapelet. Il est dans ta main, maman. Ben ouais, mais pas celui-là. Celui qui t'a sorti à mon chapeau. Au fait, on est en avance de combien? 10 minutes. Bon, ben tu peux m'attendre aux 10 minutes. Comme par hasard. T'oublieras pas de te confesser, maman. Ça me saoule, ce test d'anglais, là. Mais non, parlons de test. C'est Jandana qui m'a passé aujourd'hui. Ah oui, un test de quoi? Un test de grossesse. Et alors? Ben, elle l'a pas eu. Les questions étaient trop dures. Et celui-là, tu le trouves comment? Il est un peu petit, hein. Mais bon, il te va bien. Et la cause, je croyais que t'avais arrêté le grignotage entre les repas. Parce que là, on voit plus le maillot, là. Mais quoi, ça fait pas des grossesses? Bah, surveille, parce qu'en 5 minutes, tes fesses ont avalé le maillot, c'est un record, ça. J'ai changé de maillot, boulet. Oh, Maëva, c'est une vieille susceptible, hein. Non, c'est juste une vraie fille. Et toi, t'es juste un vrai con. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Attends, Muel, ça fait 7 heures qu'on marche, là. Je te dis de me faire confiance, je connais mon pays comme ma poche. Et puis à Paris, c'est un pari. Non, mais j'aurais jamais dû accepter, c'est de la pure folie. Hein. Je te dis que je vais te ramener à la maison les yeux bandés. Et puis tu vas me payer mon pari. Écoute, ce qu'on va faire, on va oublier le pari, je te paye, et puis tu te débandes les yeux. Allez. Ok, d'accord. Je te dirai à personne. Okay. Tiens. Ah, quand même. Ah, on est perdu, j'en étais sûr. Hein. Oui, enfin, non, donne-moi ton téléphone. Attends, je t'ai déjà filé 10 000. T'as... Donne-moi ton téléphone. Putain, l'arnaque, oh. Hé, hey, arrête de faire ton chichi, là. Ah, en plus, il n'y a pas de réseau. Ben, il doit bien y avoir une solution, non? Déco-solution. Bon, toi, tu barres comme ça, moi, je trace comme ça, et puis si tu trouves le chemin, tu fais le cri d'une auto en colère. Mais c'est quoi le cri d'une auto en colère? Ben, je sais pas, moi, je sais pas, moi, démarre-toi. Hé, hey, oh! Non, ça, c'est le cri des oreilles, ça. Hein? Veste super résistante aux épines, pantalon super résistant aux épines, gants anti-morsures. Tu sais, je suis partie sur le site internet, là, 30millionsderrissons.com. Il disait que la petite maman tangle, la pauvre, elle doit fouiller toute la journée avec ses petites papates pour avoir du lait pour ses petits. Mais écoute-moi! Oui! Tu vois les petits, là? Ben, ils sont dans la nature à 4 mois! Ouais, c'est là que la chair du tangle est le plus tendre. J'ai pas envie de participer à un tanguicide. Allons pas. Catherine, la chasse tangle ouvre demain à 5 heures. Toute la réunion attend ça. Et en plus, si on les vend en civet plutôt que vivant, on peut gagner 30% en plus. Hein. 30%? Tu appelles la SPA? Ben non, je mets l'alarme sur 5 heures. Correct!